tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat versus abonné maquette du Pokédex 7G. Jouer tous les Pokémon de la 7ème génération dans le format 2017. Et bien cette quête je la poursuis aujourd'hui puisque vous le voyez, alors oui je le cache un petit peu. Je joue Chelours aujourd'hui, je n'ai jamais joué cette année. Alors le reste de la team ça a l'air tout à fait correct. Bon il y a un Pyroli quand même, c'est rigolo. Vous allez voir ce que je vais en faire de ce Pyroli. Il est pas inintéressant ce petit Pyroli. Attendez que je m'ouvre le screen pour le team preview bien sûr, histoire que j'ai la team sous les yeux pendant tout le combat. C'est parfait, ce qu'on a en face c'est une splendide Fake Pidgey, hein, une équipe extrêmement populaire composée exactement de ces 6 Pokémon là. Ou alors de Togedemaru à la place de Tocorico, puisque le E c'est pour le électrique. Bien entendu, est-ce que Chelours peut gagner contre ça? On a l'abbé Selro sur Chelours, ce qui pourrait nous aider hein, contre cette équipe. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. On a des armes contre pas mal de... Ah oui, contre toutes les... Chelours a des attaques super efficaces sur toute l'équipe, sauf Tocopisco, je vous le dis. Ah, je vous le dis, vraiment. Sans rigoler. Et du coup, on va prendre comment il s'appelle, Guerriaigle. Ah, j'ai pas surpuissance dessus, j'aurais dû mettre surpuissance. Parce que face à Gigalith, j'aurais été content de pouvoir faire un surpuissance à plus 1 en attaque grâce à l'intimidation. Ah, en plus avec leur bevy, mais bon, c'est pas très grave. On a un Katagami, fort sympathique. Tritosaur extrêmement fort ici, mais il faut que je puisse gérer le Katagami dans ce cas-là. Katagami qui a le Z-Sol. Magnifique abîme pardon. Et du coup je pense qu'on va prendre Pyroli. Ouais, alors on va avoir beaucoup de mal à tuer Tocopisco. J'aurais peut-être pas dû prendre ça comme compo. J'aurais dû prendre Katagami ou Togedemaru dans la compo. Bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a le Tokoriko qui fait peur à mon Guerriaigle. Ah, j'aurais dû prendre Togedemaru quand même derrière. J'aurais dû prendre Togedemaru avec Tritosaur, je pense. J'aurais pas dû prendre Pyroli. Mais bon, si je joue pas Pyroli maintenant, quand est-ce que je vais le jouer? Je l'ai joué dans l'équipe full évolution, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on a Katagami et Tocorico en face pour ce début de partie. Ok. Bon, l'avantage pour Guerriaigle, c'est qu'on peut très bien se barrer pour Tritosaur. Ça, c'est pas un souci. Non merde, c'est le contraire, je fais n'importe quoi. Non, du coup, on va plutôt y aller pour surpuissance ou pour... Katagami en fin de partie, il est moins gênant à gérer. On va plutôt y aller pour... Alors, je sais pas comment ça s'appelle cette attaque en français. Attendez, Stomping Tantrum. Je vais taper ça sur Google. Poképédia. C'est quoi? Trépignement, c'est une attaque seule à 75 de puissance. Qui fait deux fois plus de dégâts si la précédente attaque de la cible a échoué. Donc s'il rate un double abri ou je sais pas plein d'autres raisons, eh bien ça marche pas. Et non, le change éclair qui ne fonctionne pas. On prend une lame sainte sur Chelours, mais c'est pas très grave puisqu'on a le talent, je sais plus quoi, qui divise par deux la puissance des attaques. Enfin, les dégâts qu'on reçoit sur les attaques de contact, je crois uniquement pas physique, de contact. Et on fait pas le chaos sur le Tocorico avec trépignement. Ok, c'est un peu dommage. Ah, j'aurais peut-être dû faire surpuissance sur le Katagami, parce qu'on savait que derrière, avec Tritosaur, on pouvait faire Z-Fissure. Bah, ouais, mais au final, le Katagami, il peut faire Lame-Feuille, ici. Du coup, on va envoyer Pyroli, et je pense qu'on va refaire Trépignement à gauche, parce que là, on a trop peur de Lame-Feuille, évidemment. Du coup, on va envoyer Pyroli, bien sûr. On a trop peur de Lame-Feuille. C'est trop inquiétant. J'aurais pu faire Abri, aussi. C'était pas mal abri. Ok, éclat magique. Et non, on a la Besselro. Alors, est-ce que ça fait l'âme sainte sur Chelours? Parce que ça fait le chaos, là. Hein. Si on prend l'âme sainte, ce serait tant pis pour moi. Ah, il a une herbe vie. Il meurt avec une attaque de plus. Ok, on prend l'âme sainte sur le Chelours. C'est bien vu. On assure le chaos sur le Chelours en face. Mon Chelours, qui était un petit peu le seul qui pouvait aller chercher le Porygon 2. Sauf que j'ai abîmé ça. Mon adversaire, El Tyrance, mon adversaire du jour, ne veut pas encore le savoir. On a activé l'orbe toxique alors qu'il y a un Tocopisco en face. Et ça, ça fait plaisir. Du coup, est-ce qu'on envoie Tritosaur? On a abri avec les deux. Hein, avec. Ouais, j'ai abri avec les deux Poké. Ah non, j'ai pas abri avec Tritosaur. Ok. Je peux envoyer. Guerriaigle. J'ai pas Vivattaque, c'est le problème en fait. Je n'ai pas Vivattaque.
Je peux envoyer Guerrier, les faire abri. Derrière, il y aurait que le Shigalith qui pourrait me faire peur à mon Guerrier, mais dans le pire des cas, je peux faire un petit demi-tour. Donc c'est pas trop gênant. Le problème, c'est que là, le Katagami, il s'est boosté en attaque. Ça, c'est chiant, ça. On va s'abriter. Ah, et du coup, qui est-ce que j'attaque? Est-ce qu'il pourrait double focus mon Pyrolis? Ce serait bien joué. Alors, on le laisse se suicider sur Tonnerre. Je crois que je vais faire ça. S'il fait Tonnerre, il se suicide. Sinon, je place Vent Arrière. Ah, c'est compliqué, ça, quand même. C'est compliqué. Et on va faire Bout de Feu sur le Katagami. Mais j'ai pas de la ceinture force aussi. Ah, ça fait charger clair sur Pyroli. Ok. D'accord. Et je pense que... Eh bah oui, le Tokoriko, il meurt avec... avec leur Bevy, bien sûr. Et la Lamefeuille sur Guerriègle. Ok, d'accord. Ah, il s'attendait à un switch pour Tritosaur et non. Oh, le coup critique qui est pas dramatique ici, je trouve. Pas dramatique. Et le bout de feu qui va partir. Ok, du coup... Ah, tiens, il allait chercher un peu trop loin. Je pense qu'il aurait dû double focus le Pyroli. Parce que sans mon Pyroli, je peux plus faire grand chose. Il n'y a pas de ceinture force sur le Katagami. Alors, soit il est veste de combat, on n'a pas vu d'attaque abri ou détection. Bon, par contre, il va mourir avec le poison à la fin du tour. Soit il a un Z. Mais en tout cas, il n'a pas la ceinture force. Et il n'est pas mouchoir choix, parce que sinon, il aurait dépassé le Tokoriko. Du coup, on va devoir envoyer Tritosaur. Mais Tritosaur ne craint plus personne dans l'équipe adverse. Il n'y a plus de Katagami. Donc, Tritosaur peut gagner tout seul. Complètement tout seul. Et même s'il est intimidé, Z abîme, ça va quand même faire mal. Et abîme tout court, ça va permettre de battre le Tokopisco. Le Tritosaur pourra... le Tokopisco pourra pas gagner face à mon Tritosaur. Même en sans plénitude, on va bien réussir à abîmer un jour ou l'autre. Donc ça ne m'inquiète pas trop. Et pour être sûr de faire le chaos sur ce Arcanin avec le Z abîme, on va d'abord attaquer avec Guerriègle. Parce que là, le... Oh, remarque, le Arcanin peut rien faire face à mon Tritosaur. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller chercher le Tokopisco? Parce que là, il pourrait avoir peur pour son Arcanin. Ben oui. Du coup, autant faire le Z-Abîme sur le Tokopisco, je pense. Le Rapace à plus 1 avec l'Orbe V, il va faire super mal au Tokopisco quand même. Hein. Il va faire super mal. Et le Z-Abîme, si je le claque derrière l'abri du Arcanin, oh, ça changerait pas grand-chose, je pense. Oh, Fitness Extrême, d'accord, ok. Oui, remarque, c'est assez logique. Mais ça ne suffit pas. Il est trop bulky, le Guerriègle. Ouais, j'ai beaucoup d'invest en PV sur ce Guerriègle. Est-ce que ça fait la diff? Je ne saurais dire. En tout cas, le Rapace qui fait le KO carrément. Qui fait le KO à plus 1 en attaque. Merci le talent acharné, bien sûr, puisqu'on a pris intimidation. Du coup, on a perdu en attaque. Mais acharné, ça booste de 2 crans l'attaque quand on perd dans une stat. Même si c'est l'attaque. Et du coup, on est passé à plus 1 au lieu de moins 1. Et avec l'Orbe Vie en plus de ça, et en étant max attaque, bah forcément, le Tokopisco, il a pas apprécié. Et du coup, on a fait le KO en un coup directement. Et derrière, le Z-Abîme de Tritosaur sur le Arcanin. Bon, on est à moins 1 en attaque quand même. Mais on n'a pas d'invest en attaque. Enfin, je crois pas. Non, j'ai pas d'invest en attaque. À la base, c'est pour les Tokoriko, ça. Hein. Et malgré l'intimidation! Ah, avec un coup critique quand même. Ok, bon, ça change pas grand-chose, je pense. À moins qu'il y ait un Z-Lance-Soleil de derrière les fagots du Arcanin. Mais j'y crois moyennement. C'était de toute manière win avec Tritosaur en 1v1. Alors... C'est dommage pour Altirance parce que il a fait des choix vachement intéressants. Bon, qu'on pas payé, mais il a fait l'âme feuille sur mon Guerriègle en se disant que j'allais envoyer mon Tritosaur. C'est dommage, c'était osé. Il aurait pu aller chercher le Pyroli, c'était plus safe de sa part, je pense. C'est dommage parce qu'il s'est creusé un petit peu la tête, mais ça ne lui a pas permis de gagner en tout cas. GG à lui. Mais écoutez, Chelours a gagné un combat. Il n'a pas fait de KO. D'ailleurs, je suis déçu que ça n'ait pas suffi, que le trépignement n'ait pas suffi à tuer le Tokoriko. D'ailleurs, sachant qu'il était Orbe Vie, ouais, je suis... Alors, un peu surpris. Non, parce que c'est pas si puissant que ça. Au final, c'est les mêmes dégâts que Séisme quand il y a la réduction de dégâts des attaques de zone. C'est les mêmes dégâts, au final. Parce que Séisme, c'est 100. Avec la réduction de dégâts des attaques de zone, ça passe à 75. Trépignement, c'est 75 aussi. Du coup, on n'a pas fait le KO. Y a pas le stab. Bon, on va pas se plaindre. En tout cas, GG Altirance. J'espère que vous avez aimé voir Chelours gagner. Peut-être qu'il gagnera encore dans le prochain combat. Je ne le sais pas. Ce sera vendredi prochain. Du coup, je vous dis rendez-vous à une prochaine pour un prochain combat versus abonné. Salut tout le monde.